Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle Aristo Le Bleda et Raoul Leblanc s'affrontent dans un live. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo. Quand on parle du développement là, écoute-moi très bien. Quand on parle du développement là, comme le Canada, le Togo, c'est deux choses à ne pas comparer, ok? Après, on t'entend, c'est dans ta tête, hein? C'est la façon dont toi tu vois les choses, c'est ton problème. Et la façon dont moi aussi je vois les choses, c'est deux choses différentes. Moi, pour moi. Ne venez pas ici à tromper la jeunesse au fait. Moi, personnellement, écoute-moi, si je parle, ferme ta gueule, tu comprends? Sois un peu éduqué là. Hein? Bata. T'as compris? Maintenant, moi, ce que je préfère, c'est le Togo. Je me démerde. Je fais à ma manière. Et j'ai le soleil. Tu vois. T'as raison. Quand je parle le français, c'est comme tu ne comprends pas le français. En fait. Je parle du développement. Tu me parles que quand tu es à l'aise. Tu peux me développer. Et toi, mais qui fout ma voix? Quand on est les filles là, on est tout pour la blague. Parce que moi je parle du développement, toi tu parles d'autre chose. En fait, tu racontes quoi? Tu as envie de vous raconter quoi? Dis-nous ce que tu as envie de dire. Dis. Bon, ce que je voulais te dire, que. Fais en sorte. Tu crois que si moi j'ai eu la chance d'être en France plus de 25 ans, je vais parler le français à la manière dont je parle là. Toi, tu ne comprends rien. Même je suis venu à Canada ici, je ne fais même pas 3 mois, mais je parle mieux le français que toi. Tu as fini de parler. Je dis la chance que tu as. Si tu as fini, dis-moi que tu as fini de parler. Je te parle, laisse-moi finir de parler d'abord. Fini de parler alors. Je dis la chance que tu as et que tu es resté en France plus de 25 ans et que tu n'as même pas l'expression de parler le français. Tu n'arrives même pas à parler le français. Si moi j'ai eu cette chance, mon frère, tu peux pas t'arrêter devant moi en fait. Tu vois, je fais que 2 mois à l'Occident ici, mais voilà, tu ne peux pas t'exprimer en français plus que moi, toi, mon frère. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu as fini. Non, je te pose. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu me dis oui ou non? Je ne suis pas encore d'accord avec toi parce que ce que tu es en train de te dire, c'est tes avis à toi. Je ne suis pas parti en France pour parler français. Je suis parti pour d'autres objectifs. Ok, pour les autres objectifs. Maintenant, je vais te dire pourquoi. Non, attends. Non, on ne va pas parler de France. Me reconstruire au bled et retourner dans mon pays et vivre dans mon pays. J'en ai rien à foutre du français, je le tire à ma façon. Et quand tu comprends, tant mieux. Mais toi, tellement tu es bête, tu parles de Lomé que tu peux apprendre français ici, juste à côté. Tu vas jusqu'au Canada 2 mois pour parler français, ce que tu es en train de parler là. Laisse tomber. Retourne là. Va jardin ça. Jardin d'affaires, viens avec ma bébé. Si Canada, on a une relation française, ça va pour toi en fait. J'espère que ça va pour toi en fait.
Non, mais tu es bête quand même. Je pense que ça marche. Ça va. En fait, tu es parti quelqu'un qui a raté en Amérique. Attends. Quand tu te lèves le matin, tu t'habilles bien, tu viens, tu allumes ta caméra pour montrer à la jeunesse. Mon ami, alors que c'est toi, là où tu es, tu en as besoin. Comment est-ce que moi je peux rester en France, hein, 25 ans? Hein? Laisse-moi parler. Comment est-ce que tu peux être en France 25 ans et revenir au bled, s'habiller bien et maintenant allume ta caméra pour demander l'argent à ceux qui n'ont jamais été en France, à ceux qui n'ont même pas passeport français. Toi, tu as la nationalité française. Mon ami, tu ne comprends pas. Tu fermes ta gueule maintenant parce que tu sais, il y a plus d'argent en Afrique qu'en France déjà. Et il y a des gens ici au Togo, ils n'ont jamais mis pied en France. Ils sont super riches, plus que beaucoup de gens en France. Et moi, si je demande ici, c'est comme si je jette mon hameçon et que mon poisson... Peut-être je vais pêcher ce que je vais pêcher ici. Sur TikTok, il y a beaucoup de gens, il y a des milliardaires, hein. Il y a des gens qui ont des millions à la maison. Je ne demande pas à toi, regarde son front là. Hein? Je ne demande pas à tes mais, potes là. Mais tu m'as une fois demandé. Maintenant, tu m'écoutes. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied au Canada, ils parlent bien français. Un. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied en France, ils sont super millionnaires ici. Deux. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied au Canada, sont jamais bêtes comme toi. Trois, t'es enculé maintenant. Ah, mais maintenant, à ceux à qui tu demandes les 500, 500, 200 là, eux là, ils ont mis pied en France, toi. Les gens là que je leur demande 500 et 200, je les apprends comment il faut cotiser et je les apprends le truc de marché et comment avoir un apport personnel. Parce que si non, tu aimes apport personnel, attends, qu'est-ce que tu appelles pas apport personnel? Qu'est-ce que tu appelles pas apport personnel? Qu'est-ce que tu appelles pas apport personnel? Attends, faut pas que qu'on parle le français, toi, si tu écoutes, puis tu prends un mot pour venir parler ici. Apport personnel, qu'est-ce que tu appelles pas apport personnel? Dis-moi. Quoi? Apport personnel là? On dit que tu as apport personnel là? Non, parce que tu dis, tu les apprends à part personnel. Comment est-ce que tu peux dire, tu les apprends à part personnel? Et le combien de films, Marie? Non, pas le français. Aujourd'hui, c'est le français. Tu veux quoi? Je t'apprends ce qu'on appelle à part personnel? Ouais. Ok, je vois que tu ne comprends pas le français. À part personnel, c'est ce que toi-même tu as déjà. C'est ce que tu as. Pour avancer, pour aller voir quelqu'un, il faut que toi, tu pèses déjà quelque chose. Ok. Mais si tu parles avec moi, si je parle, bâtard. Ok, parle. Ta gueule. Ok, parle. Tu es bête ou quoi? Ok, parle. Bon, l'apport personnel, c'est ce que toi, tu as pour, avant de lancer un business ou quelque chose, c'est t'es sous tes propres fonds. Donc, avant de traîner avec quelqu'un, moi, ce que je fais, je vois que je fais beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens qui me kiffent sur TikTok. Et moi, je ne veux pas parler avec n'importe qui. Et moi aussi, il faut que je mange. Il faut que je paye ma climatisation. Il faut que je paye beaucoup de choses. J'ai des enfants. Mais tout ça, ça ne me suffit pas. Donc, il faut que maintenant, je filtre mes gens. Et j'ai des bonnes relations. Et des relations, c'est ça qui crée une vie. Donc, du coup, j'essaye de voir les gens qui ont des apports personnels. Essayer de traîner avec eux. Et pour avancer dans l'avenir avec mes enfants. Voilà. Il faut maintenant, il y a quel lien de ce que tu dis par rapport aux enfants qui traînent dans la rue? Ceux qui t'envoient 200, attends. Le lien, c'est que ces gens sont abonnés à moi. Ok. Je demande pas à tes frères, ok? Ok. Chez toi, l'apport personnel, c'est les 200 que tu ramasses chez les enfants. Là. Non, c'est eux, c'est leur apport personnel. Ils apportent quelque chose dans mon entreprise. Et au retour, moi, je vais être reconnaissant envers eux. Reconnaissant en leur faisant quoi? Mais je ne vais pas te le dire parce que tu vas me le piquer. Non, piquer quoi, maman? Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est ton problème. Ce que je vais leur faire après, tu ne sais pas.